Nicolas, on va revenir sur ton parcours pour commencer cette interview. 22 ans, réalisateur, monteur, scénariste, graphiste. Un leitmotiv, fais de ta vie un rêve, d'un rêve une réalité. Bah écoute, moi j'ai toujours pensé que rien n'était impossible. On m'a toujours dit, à chaque fois que je disais à mes amis « je veux faire du cinéma ou faire du foot », c'était toujours « c'est impossible ». Donc à partir de ce qu'on me dit ça, bah je me dis « bah écoute, moi je vais vous faire fermer vos gueules et je vais bosser un maximum et vous prouver que je vais le faire ». Mais je le fais surtout pour moi avant tout parce que c'est une passion que j'ai depuis tout petit. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit « on va y aller et on se lance ». Et pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Faisons un bond en 2012-2013. Je crois que tu as 20 ans à cette époque-là. C'est ça, ouais. Et là, c'est la première aventure en solo sur ce projet. Alors moi, forcément, qui m'intéresse parce que c'est mon quotidien en dehors de LFM, le foot amateur, avec ce projet qui s'appelle « Jusqu'à la dernière seconde ». 3 mois de tournage, 3 mois de post-prod, un format court, court-métrage. Ouais. Tu tournes tout ça autour du FC Mantois pour évoquer des portraits ouais. de joueurs de foot justement dans le foot amateur. Je me lève foot, je mange foot, je rêve foot, donc c'est comme si, je sais pas, t'enlèves un bébé sa maman. Donc. Je l'ai fait pour un de mes meilleurs potes ici à Mantes-la-Jolie, c'est Elias Sarraoui. C'est que moi, je me retrouvais à travers sa motivation dans le football, bah celle que j'ai dans le milieu du cinéma. Donc forcément, nos liens affectifs et presque fraternels forcément, nous poussent à s'encourager. Et forcément, moi, son portrait m'intéressait. Donc à partir de ce moment-là, je lui ai dit « Est-ce que ça ne te dérangerait pas que je fasse un film sur toi ?» Au début, il était beaucoup plus, il était pas trop d'accord parce qu'il avait peur de montrer un peu sa vie et ce qui était légitime. Et puis après, à partir du moment où il était d'accord, j'ai rencontré Magie des Décanes de l'association Contact. On s'est dit, bon, pourquoi pas ouvrir les portraits et de montrer les étapes finalement de la vie d'un footballeur amateur. Je pense que personne n'a les mêmes enjeux ni les mêmes motivations selon les âges. On revient à début 2015 avec cette nouvelle aventure, la nouvelle voie, la fiction, un nouveau court-métrage, Jeanne. On va faire un peu le pitch. Gaël, un cambrioleur, s'évade de prison pour aller se recueillir devant la tombe de sa mère. Le film suit la cavale à la manière d'une quête, celle du pardon, le pardon des proches et se pardonner soi-même. Un film hommage, tu l'as dit, à ta maman, une allégorie du tumulte justement de ta jeunesse et de ses dégâts auprès d'elle notamment. Comment elle a accueilli ce film-là? Elle a pleuré. Elle a pleuré. T'as fait exprès? J'ai fait pas exprès, non. Mais je voulais la toucher, ça c'est clair. Parce que en tout cas, vu nos relations qui ont été conflictuelles, c'est vrai que depuis jusqu'à la seconde, elle a eu un changement dans son comportement. En tout cas, elle m'a regardé en tant que fils qui a envie de faire du cinéma et on va le laisser faire. Et du coup, à partir du moment où elle a reconnu ça, bah moi j'ai reconnu un petit peu plus facilement, en tout cas, les reproches qu'elle me faisait. Et je m'étais dit que des fois, j'arrivais pas à lui dire pardon ou je t'aime. C'est con, hein. Mais j'arrivais pas à lui dire. Et je m'étais dit que c'est la seule manière pour moi que j'ai toujours su exprimer mes émotions et mes sentiments, c'était le cinéma. Et je m'étais dit que c'est avec ce film-là. Anna, je suis pas venu ici pour... Casse-toi d'ici hey. Tu te casses de chez moi hey. Dégage hey, hey, fais gaffe. Dégage. Arrête, calme-toi. Bouge d'ici, je veux pas voir ta sale gueule. Te calme. Lâche-moi. Ethan, appelle les keufs. Quoi? Appelle les flics. Lâche-moi. Pas les flics. Lâche-moi okay. Je te lâche, mais t'appelles pas les flics. T'es nominé d'ailleurs grâce à Jeanne, t'as des nominations, je te parle des plus récentes, hein, Cognac, Ajaccio, et puis forcément on l'a dit, le retour à Cannes, et puis un prix du public à Saint-Germain je crois. Voilà, un prix du public et un prix d'interprétation pour Emilia de Roubernal. Ouais. Exactement. Comment tu accueilles cette reconnaissance? Ça donne plus d'ambition? Tu dis ça y est, en fait ouais, j'ai vraiment un destin dans le cinéma, ou non, ça remet rien en cause, ça pousse pas plus? Faut savoir remettre les choses dans le contexte, c'est-à-dire que c'est un festival qui me permettait de diffuser mon film, et qui permettait aussi de gagner des prix, donc je vais pas forcément cracher dessus à partir du moment où on est sélectionné. Et moi, mon leitmotiv, c'est gagner toujours. Toujours gagner, peu importe le festival. Que ce soit un plus petit ou que ce soit le plus grand. Donc, à partir du moment-là, quand on y était, durant la soirée, il y avait des films de France Télé, on était petit poussé encore financièrement. Moi, ça me faisait marrer. Et puis, à partir du moment-là, on avait gagné le prix du public.
et que j'avais promis Emilia juste un mois avant au Festival de Cannes quand on s'est vu, je lui ai dit t'inquiète pas avec moi tu gagneras un prix d'interprétation, elle en a gagné un. Donc moi ça me permettait de me rassurer, de me dire bon je parle pas pour rien, je leur avais promis qu'on gagnerait des prix et j'ai l'impression que ça continue actuellement, donc on n'en a pas gagné mais on attend encore. Sophie Palmier, c'est ta photographe, non? C'est ça, ouais. Elle dit, à propos de toi, elle dit ce qui attire Nicolas c'est la couleur. Ouais. Bah pour l'instant j'ai pas encore eu l'occasion de l'exprimer parce que le choix esthétique doit être en rapport avec le scénario, c'est évident. Donc moi j'adore tout ce qui est les belles couleurs flashy, mais quand tu peux pas l'exprimer ça sert à rien quoi, parce que t'as des réalisateurs qui vont faire un parti de jouer uniquement sur la forme et dénuer et enlever complètement le fond. Moi je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais après c'est un choix artistique après tout. Mais les couleurs, c'est vrai que j'aime bien les décors flashy. Tu vois, Drive, c'est un film aussi que j'ai beaucoup apprécié, de Nicolas Winding Refn, où lui joue énormément que sur ça. Il ne joue que sur ça, sur ses couleurs. Bah moi, j'adore, mais le problème, c'est que moi, j'aimerais bien faire ça. Mais avec du fond. Avec du fond. Aujourd'hui, tu as des choix à faire ou tu as des gens à convaincre? On est toujours dans les deux, en fait. C'est-à-dire que c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens que j'ai envie de convaincre parce que... Et il y a des choix à faire aussi. C'est-à-dire que je sais qu'il y a certaines boîtes de production qui peuvent être intéressées. Maintenant... je suis pas forcément encore totalement convaincu parce que tu sais, quand ça fait deux mois que t'es encore en train de parler, discuter, c'est que normalement moi je pars toujours du principe que si la personne a envie de me suivre, elle me suit dès le départ et dès le premier jour. Frater, le cadre, le lieu de tournage, j'imagine que tu as ça en tête, ça sera Mantes obligatoirement ou pas du tout? Non, pas du tout. Je pense que justement j'ai envie de partir hors de Mantes, c'est pas l'envie qui me manque de tourner ici. Mais je pense que l'intérêt pour moi, c'est de justement aller dans des quartiers que je ne suis pas souvent allé. J'ai commencé à faire un petit peu le tour des quartiers. Je suis allé à Bagnolet, je suis allé à Vitry, je suis allé à Bobigny. Enfin, j'ai visité un petit peu partout. J'essaie de savoir un petit peu quel sera le lieu final qui m'apportera esthétiquement un truc aussi. Parce que les choix, en tout cas pour l'ambiance sonore, ça va être nickel. Ça, c'est pas un souci. Mais par contre, pour l'ambiance visuelle que je veux créer... Il y a un travail de recherche intéressant, important à faire, et par rapport à certaines métaphores que j'avais fait dans mon film, et ben parfois il y a des trucs tout bêtes qui ne sont pas présents, donc je vais pas le faire. Je vais pas choisir celui-là parce qu'il y a ce truc-là qu'il n'y a pas. Donc faut vraiment faire le bon choix, encore une fois, sur les lieux, parce que autant Mantes-la-Jolie, ça s'imposait à Mantes-la-Jolie pour Giscard II, Jeanne, autant ça ne demandait pas forcément un lieu en particulier, mais là pour un long métrage. Et vu le temps que j'ai travaillé, c'est pas pour le faire à moitié, donc autant choisir les décors au maximum et passer, même s'il faut encore un mois de plus, à trouver les bons décors, quoi. C'est une question bête que je vais te poser. C'est la N2 ou c'est quelque chose qui n'aura absolument rien à voir? Ah, pour moi, il n'y a rien à voir. Ouais. Il n'y a rien à voir et je pense que ça répondra à des questions assez différentes, de toute manière. Parce que restera sociétal, j'imagine. Ça reste sociétal, mais je ne vais pas en parler. Ça va être assez subtil. Et je pense que c'est des choses qu'on va comprendre forcément. Je ne pense pas que l'intérêt, par exemple, de montrer un jeune en déscolarisation foute le bordel en cours. Enfin, il y a des films qui le font. Il y a Entre les murs qui le faisait. Il y a eu des films comme Fracture. Enfin, voilà, ça a déjà été fait. Je ne vais pas le refaire. Et t'aimes bien ce genre de cinéma? Pour moi, il n'y a pas de genre de cinéma à apprécier. C'est quel est ton rapport émotionnel et la sincérité du film qu'il a vers toi? Donc Entre les murs, c'est pas un film. Il a gagné la Palme d'Or, mais en général c'est pas les Palmes d'Or les meilleurs films. Politique, ouais. Palme d'Or mais politique. Il a voulu toucher quand même les enfants. Et quand même, on reste forcément pas étranger à ça. Moi, je suis allé à l'école, donc forcément, tu te reconnaissais à travers certaines séquences quand même. Donc forcément, tu apprécies le film parce que tu te reconnais là-dedans. Mais après, c'est pas un film de cinéma à proprement parler, pour moi. Pour toi, ça sert à quoi le cinéma? Alors pour moi, c'est la meilleure façon déjà pour moi de m'exprimer, personnellement en tout cas pour moi c'est la meilleure manière de m'exprimer, en tout cas d'exprimer les sentiments que j'ai au plus profond de moi, mais aussi de parler de messages de société, de ceux qui me parlent, je vais pas parler des choses qui ne vont pas me regarder par exemple, donc si j'ai envie de parler d'un film politique, je le ferai quand j'aurai 40 ans et que j'aurai ma vision politique bien cadrée. Mais là, actuellement, je vais parler des films que j'ai envie de parler et des thèmes surtout que j'ai envie de parler. C'est-à-dire que si j'ai envie de refaire un film sur le foot dans deux ans, j'en referai un autre. Si j'ai envie de parler de mes relations avec mes meilleurs amis ou de ma mère, j'en reparlerai encore. Je pense que c'est... L'inspiration est illimitée pour moi. Donc après, il faut toujours aussi changer la manière de mettre en scène. En tout cas, c'est la principale évolution à voir. Après, les thématiques, ce sera celles qui sont dans mon cœur, en tout cas. Comme actuellement.
Ok. Et comment tu vois le cinéma de demain? Je pense que le cinéma de demain va évoluer en fonction de ce que les nouveaux réalisateurs vont faire. Parce qu'il y a des réalisateurs qui sont en place depuis un moment. On voit quand même que certains n'ont pas tenté forcément des révolutions. Je pense à Jean-Luc Godard qui a été revenu avec Adieu au langage, qui a voulu se démarquer encore une fois, ne pas faire comme les autres. Mais après, au bout d'un moment, s'il n'y a que lui qui comprend son film, c'est qu'il y a un problème. Donc je pense qu'il y a une volonté des jeunes réalisateurs indépendants, en tout cas, à faire évoluer le cinéma. Mais je pense qu'il faut aussi que les boîtes de production fassent confiance aussi aux jeunes réalisateurs. Il y a des réalisateurs en place actuellement, ils font aussi bien leur boulot aussi. Hein, je ne dis pas qu'ils le font mal, hein, il y a des très bons films qui sortent chaque année. Mais je pense que pour que le cinéma avance, il faut qu'on nous laisse la liberté, en tout cas les réalisateurs, d'aller au bout de nos idées et de nos scénarios. Parce que parfois, hein, il faut passer au final cut et des fois le producteur il dit ah, « il faut peut-être changer cette scène-là ». Je ne suis pas bête non plus. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été avec nous. Si je devais te laisser le mot de la fin, ça serait quoi? Ah bah, j'ai une dernière chose à faire, j'ai une annonce que j'avais promis de faire. Donc, comme vous le savez, on a été nominé il y a quelques jours au Festival de Cognac pour le prix du meilleur court-métrage français. On a été nominé au Festival d'Ajaccio. Et ben maintenant, voilà, aujourd'hui, je peux vous annoncer qu'on a été sélectionné au Chessy Film Festival à New York. Donc Jeanne, il sera à New York du 15 au 18 octobre. Donc je ne sais pas si je serai présent parce que deux festivals, le Festival de Cognac et le Festival de New York se mélangent dans les mêmes dates. Donc voilà. Donc, c'est lourd. Énorme. Donc voilà, c'est une très belle renommée parce que c'est un très très bon festival qui donc du coup il y aura du niveau, mais comme d'habitude on est petits poussés mais on n'a pas d'ambition. On croise les doigts. Énormissime. New York pour Jeanne. Félicitations Nicolas et on te souhaite franchement que du bonheur et surtout on te souhaite, j'ai bien compris, la palme avant 25 ans. Merci. Ouais. Je pense que voilà. Tu l'auras, je sais pas, il y a comme une odeur là dans le studio là. Il y a une odeur de palme d'or, je pense que ça devrait bien se passer. Notre approbation. Tu as notre approbation s'il ne suffisait que de celle-là. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé énormément de temps et d'être venu te livrer, parce que c'était ça aussi l'exercice, c'était parler de toi, te présenter, parler de ta vie, parler de ton œuvre. Et Dieu sait qu'elle sera bien entendu à étoffer encore une fois et à retravailler. Merci beaucoup à Nicolas Kamsofa d'avoir été avec nous.